Oh non. Ah, Camille la querelle qui... Il va toutes tes intros. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'aventure iRacing. On est aujourd'hui sur la célèbre piste de Daytona, en Truck Series avec Emery qui est dans un autre split et Andy qui est parti tuer Duruskov sur PUBG évidemment parce qu'il est trop faible pour tenir jusqu'à 2h du matin sans lait de croissance. Donc faut pas lire là. Voilà, vous êtes extrêmement méchants et bonjour à tous. Moi je suis avec Miley. Ah oui, parce que Emmerich a choisi un skin pour son truck. Moi je suis dégueulasse. Autant j'ai pris Reddit parce qu'il n'y avait rien d'autre pour la mienne, mais alors lui. Miley Cyrus, qui lèche une glace onctueusement sur le bord de ma voiture. Ok, here comes your first time lap. Voilà. Ah, ça avance pas aussi vite qu'une de tout à l'heure. Heureusement qu'il n'y a pas 15 tours, qu'il n'y en a que 10. Hein. Oui. Quoique, peut-être parler vite. Je suis pas vérifié. Et donc, à fond de 4, hein, comme on dit. Oh oui. 281, 82, 83, que de puissance. Et en vrai, 280, déjà là-dedans, faut le faire. Hein. Tu lulls, mais te foutre là-dedans à 280, il faut les balls. Ah, les balls, ça me fait penser à la vidéo du mec de Top Gear qui essaie la NASCAR qui crie, t'entends crier. Ah, Richard Ramon. One more lap. Richard. Et on fait un très 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 joli troisième chrono. Ah, enfin, on va finir 16ème, hein, mais pour l'instant on est P3. Ouais. Comment sur la ligne je peux perdre une demi-seconde en premier gauche instant? C'est ouf. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah. Non, c'est bon, mon casque a un petit bouton qui casse énormément les coins. Oula. Allô, hey. Il a mis trop de tokens, on n'entend plus sa voix. Jérôme. Oui. T'as reçu les photos? Faut changer le canal sur Windows. Enlève Chaturbé et remets Discord. D'accord. Oh le plop plop, oh, tu peux le refaire? Plop plop. Oh, plop. Je suis à 2 secondes, hein. J'ai fait un tour 2 secondes moins vite par rapport à mon tour. Et on remonte P4. Bon bah écoutez. Ah, moi je suis 12, incroyable. Ah mais c'est plus agréable, c'est plus doux. Vous préférez plutôt doux ou demi-sec? Alors mettez demi-sec. Alors. Mettez dans les commentaires si vous avez la référence. Et Paul Prévost évidemment. À son âme. Mais... Ah ça y est, typique à l'accélération. Ah, moi j'ai un monsieur qui aime fortement ma voiture, pardon. J'ai trop envie de chanter, tu sais. Wrecking Ball. Je sais pas si vous êtes close to winning, mais en tout cas, nous on est close to racing et on va y aller. Classic. On va surtout voir ce que ça donne au niveau de la mise en grille. Si les garçons ont l'air. Les garçons ont l'air sérieux, honnêtement, jusque-là. Méfie-toi la première chicane. Lol. Oui, lol. Bah ça va, je vais pas faire un deuxième première, je vais faire un deuxième troisième. Oula, oula, oula. D'accord, le mec est parti, il double tout le monde sur l'herbe. Ah, j'ai jamais vu ça. Le mec a doublé tout le monde sur l'herbe. En même temps, il n'y a pas de pénalité. Donc... Mais c'est... Pourquoi? Allez, on démarre. One lap to green. Line up on the outside. Pit road is closed. Mais le mec double tout. Le
Le tour de formation a l'air d'être simple pour certains, mais pas pour tout le monde, puisqu'on a déjà une voiture qui s'est mise toute seule dans l'herbe, MDR. Je suis désolé qu'il dit « I'm apologize », hein, bah ouais. It's too late. Bon, alors, on va pas commencer à chanter. Alors, ligne droite principale pour l'effacement du pace car dans quelques instants. Pour l'instant, on essaie de comprendre comment on met une grille en place, hein, pour les gens derrière moi. Alors, je ne chauffe pas mes pneus, j'ai des petits à-coups dans le volant. Tu as la piste. Je vois qu'on est deux à avoir la voiture de Malicia. Écoutez, faites un club. Get ready, going green. On va going green. The pace car is in. Green, green, green. You got 10 laps to go. Alors j'ai un stop and go. D'accord, bon bah. On est en quatrième, donc maintenant on prend le rythme de croisière et on ne bouge plus. Et on va essayer de se placer dans le bon filon pour le draft. Simplement, ils vont être beaucoup trop à vouloir aller dans le draft. Donc on va essayer de créer une deuxième ligne. Keep low. Keep low. Oh, ça s'ouvre, on n'était pas prêt. Stay low, there's a car on the high side. Clear outside. Oh là 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 là. Alors on était pas prêt pour un tel draft. Et on a été tous surpris. Bon, premier tour correct. Le peloton de tête est passé. Mais non sans mal. Oh, il y en a un qui est très très chaud. Ils veulent créer trois lignes. C'est pas la bonne idée pour moi. Il y a trop de changements de ligne de la part de certains. Je vais keep high. Aucun risque. Quand t'as un logo Inside Sim Racing, tu fais attention à ce que tu portes comme couleur quand même, parce que là. Ah, et j'ai pris un total 0 fois. Clear. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, on en a encore perdu un. Inside, clear. Numéro 44. Et le peloton a tenu 3 tours, hein. C'est pas mal, hein. On est quoi, 8, 9 peut-être en tête. Bon, par contre on les perd un par un, hein, parce que ça va quand même taper très haut sur l'ovale. C'est de garder un semblant d'adhérence. Je sais pas si je choisis. Alors ça change de ligne à foison pour le draft. C'est vraiment pas la bonne solution pour moi. De prendre une ligne. Oh là là. Car inside. Clear inside. Clear inside. Ah, le big one. Et c'est bon. Moi, j'ai une voiture qui m'est passée entre moi et le mur. Oh, j'ai des dégâts. J'ai clairement des dégâts. J'ai des cartes contact, etc. Et on peut pas faire grand chose. La course est finie. Gens qui remontent en piste avec des voitures abîmées. Bah c'est exactement ce que j'ai. Il y en a un qui est revenu sans faire le tour, ça a tapé et j'ai pris la voiture en plein. Ouais, Don qui disait, je savais que ça allait arriver, c'est pour ça que j'ai soulagé. Alors moi j'ai perdu le draft des hommes de tête maintenant, donc c'est terminé pour nous quasiment. On peut plus rien faire à moins de retomber sur un camarade qui veuille bien drafter, ça m'étonnerait. Car inside. Clear inside. Ah oui. Allez, ce serait bien de l'accrocher lui. Même si je pense que l'aérodynamisme de la voiture a un peu trop souffert, mais c'est trop. Oh, il y a beaucoup de monde dans les box. Il y a beaucoup de monde qui va sortir des box. Bon, on est toujours P8 devant
Un autre pilote qui revient très très fort derrière. On pourrait quasiment aller se mettre dedans. Inside. Clear inside. On va le laisser, de toute façon ça sert à rien. Still there. Hold your line. Clear inside. Oh, ces deux-là, si on peut les accrocher, ce serait bien. Alors qu'il y a des voitures en tonneau. You've got five laps to go. On est remonté en 7ème place. On a un potentiel top 5 avec les deux loustiques devant. Car inside. Still there. Hold your line. Clear. Lui, il est beaucoup trop chaud. Désolé, je parle pas beaucoup dans cette course, mais j'essaie de me concentrer parce que là, on a pris cher. Et keep low. On essaie de sauver un petit peu notre stay low. There's a car on the high side. Tous les fans de pêche, il y a plus une planète annoncée sur le site. Voilà. Still there. Car stopped up high. Go low. Clear. Oh là 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 là. Go high. Effectivement, on est passé P4 parce qu'il y a eu un drame devant avec les retardataires. On est en lutte pour le podium avec la voiture devant nous aux couleurs du Brésil. Il faut qu'ils choisissent un côté pour passer, sinon ça va pas le faire. À l'intérieur, quasiment perdu le draft. On est un peu loin, il faut rester vraiment dans la speed de cette voiture. On a le deuxième. Le deuxième est parti à la faute. Donc on est potentiellement P3. À se battre pour une P2. À vérifier. On va voir ça dès qu'on passera le transpondeur. Il va rester 3 boucles ici à Daytona. Et c'est une nouvelle fois une course avec pas mal de faits de course. On en profite. On est propre. Et on a surtout énormément de chance pour passer à travers les mailles du filet. Parce que là, pour le même prix, c'est nous qui étions sur le toit. Et nous sommes bien remontés. Troisième. À la bagarre pour la deuxième position avec le truck devant nous. Et on est tous les deux en proie à des dégâts. Derrière, il n'y a pas trop à se tracasser. On est dans un duel vraiment où personne d'autre ne peut venir nous déranger. Et derrière, en tout cas, on a le 10e, le 19e, le 4e est à 12 secondes. On va entamer l'avant-dernière boucle. Je ne suis pas au draft. Je sais très bien pourquoi. Je veux voir ce qui se passe devant parce qu'on est très, très vite piégé avec une vue interrompue. Quelques secondes sur l'horizon, ça a coûté cher à mes petits camarades qui étaient autour de moi. Tout vient à point à qui sait attendre. Trois secondes, le leader est au fond de l'image. Il reste deux boucles et on se draft, on cède pour aller chercher cette voiture de tête qui était à 3 secondes 5. Il n'y a plus que 3 secondes avec le leader en deux boucles, 3 secondes à récupérer, ça me paraît beaucoup hein. Mais il y a des retardataires, il y a peut-être d'autres chose qui vont jouer. Regardez derrière, ça revient très fort. Le 18e qui va peut-être se dédoubler. On ne va pas chercher à faire de bêtises. S'il est d'accord, on le laisse passer. Ça n'est pas un problème. Voiture numéro 00 à l'extérieur. Il va reprendre, je pense. On essaie de ne pas être déventé pour partir à l'extérieur. On va peut-être aller la chercher, cette deuxième place. On va entamer le dernier tour. Il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde, tout peut se passer dans cette ultime boucle. On a de nouveau un retardataire qui veut se dédoubler, le leader qui est à 2 dixièmes. Nous sommes désormais dans le dernier tour, 3e. Il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde qui gravite autour de nous, ça va se jouer à pas grand chose. Il faut rester concentré sur la bonne ligne. Et avec le bon draft, ça peut peut-être passer. On choisit l'extérieur peut-être pour aller chercher la tête de course. Est-ce qu'on n'est pas passé proche de la victoire? Il est très large. Est-ce qu'on va aller le chercher sur la ligne? Il faut absolument ouvrir la porte. On le touche. C'est terminé. À 200 mètres de la ligne d'arrivée, le crash. Oh. Oh. Évidemment, il faut qu'il me rentre dedans.
Et qu'on me rende. Ouais, c'est terminé, c'est terminé. Eh bien, il y aura eu 500 mètres de trop. 500 mètres de trop. Alors, on est toujours troisième, hein. Donc, si on va chercher le podium, là, ça va me paraître compliqué. La voiture est donc terminée. Eh bien, voilà, on a été beaucoup trop gourmand. Ah, c'est dommage. C'est dommage à 500 mètres, hein. Honnêtement, à 500 mètres de l'arrivée. Et je vais vraiment le toucher, mais... Dans l'aspiration, c'est dur à estimer, mais... J'ai été, en fait, d'un moment donné, l'aspiration est revenue et j'ai été le pousser. C'est vraiment, vraiment dommage. Oh là là, et bien voilà, les abandons, ça arrive, mais... Le final était très tendu, trop peut-être, et je me suis fait piéger. Et regardez ça, regardez le champ de mine, on était à 3 pour la victoire. Et il y avait 500 mètres de trop, comme je le disais. Là, on est à l'intérieur, on est pas mal. Et là, regardez, j'ai vraiment un regain d'aspiration que je n'attendais pas. Au moment où je suis à l'intérieur, je me dis, je vais pas bouger. Et là, hop, je le pousse, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment pas volontaire. Et là, du coup, eh bien, tout le monde termine dans un énorme crash. Et je suis vraiment désolé. J'ai essayé de repartir. Là, j'aurais peut-être pu attendre. Mais au moment où je me suis arrêté, c'était impossible. Et on ne pouvait que me rentrer dedans. Et là, bon, là, c'était totalement, totalement gratuit. Bah écoutez, la course est terminée. La course est terminée. Je vais quand même vous la proposer sur YouTube parce qu'elle était quand même très intense. Mais cette fin de course terrible avec ce contact, vraiment, ça s'est joué à rien du tout. Il y avait tellement de monde, c'était impossible. Il y avait des retards d'atterre au milieu, on était à 3 de front. Et j'ai été surpris par la voiture, tout simplement. Donc c'est une erreur qui est 100% mienne, je l'admets. Voilà, c'est ma faute, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne remets pas en cause le fait que c'est la faute du garçon devant. J'ai juste eu l'aspiration qui est revenue d'un coup et hop, j'ai été le poussé. Voilà, juste là, j'ai eu plus d'aspiration que j'espérais. Et bah voilà, j'ai été surpris par la voiture, les erreurs ça arrive, en tout cas ce sont des courses sans conséquences. Désolé messieurs, je vous ai un peu oublié sur cette fin de course. Ah non mais j'ai abandonné de toute façon, c'est une catastrophe. Le UBG finalement.